Ce qu'apporte un comité régional, c'est d'être la proximité en fait. Parce que les régions sont grandes, les patients, pas tant que ça. C'est de les réunir physiquement pour qu'ils puissent échanger et éviter cet isolement. Une simple réunion peut apporter beaucoup aux adhérents de l'AFH. Son rôle aujourd'hui, c'est d'informer les patients, les familles de patients, toujours être à la recherche de l'information auprès du national. On fait de l'aide, on fait de l'écoute et surtout on a cette envie d'être ensemble pour pouvoir partager les mêmes problématiques. L'AFH nationale donne des grandes lignes où il faut aller et nous on essaie de décliner ça un peu plus pratique en local avec des thèmes, les mêmes thèmes que l'AFH nationale reporte, mais on fait bien sûr la journée mondiale qu'on décline localement, mais on essaie de faire des réunions, des week-ends d'éducation thérapeutique avec toutes les générations qui permet de bien réunir tout le monde, avec chacun sa problématique et de pouvoir échanger à chaque niveau. Lorsqu'on fait des réunions, où est-ce qu'on s'aperçoit que les jeunes parents regardent un petit peu les jeunes hémophiles un peu plus anciens et regardent les anciens hémophiles, et c'est là qu'il se passe du lien. Et ça, c'est le rôle le plus important qu'on doit faire. Dans ces réunions et ces week-ends intergénérationnels, c'est vraiment un partage pour tout le monde, un grand partage. On a toujours voulu que le comité centre puisse toujours être en relation avec le monde médical, ce qui nous a permis de faire de nombreuses actions en rapport avec le monde médical. On va aussi travailler avec les centres de traitement, qui sont importants aussi dans notre vie de tous les jours sur les comités régionaux. Le centre travaille avec nous très souvent sur toutes les actions, on les implique aussi à chaque fois pour montrer aux adhérents et tout qu'on travaille tous ensemble pour la même cause. Mon fait d'être administrateur aussi en région permet de remonter toutes les demandes établies par les adhérents patients localement. Dire voilà ce qui se passe réellement en région et ce que attendent les patients et les adhérents de cette association. Comités régionaux pour l'AFH, c'est un petit peu le terreau, c'est même énormément le terreau de l'association. C'est toutes les actions qui sont faites en local dynamisent l'association dans sa globalité.